les amis, on est sur le deuxième jour. Alors moi malheureusement je pourrais pas rouler parce que la batterie, en fait on a réussi à identifier le problème, la batterie elle a grillé. Alors on sait pas si c'est l'impact, si c'est le treuil qui a fait un court-circuit. Bon, aujourd'hui on le sait pas, donc ça on verra ça à l'atelier. Mais en tout cas du coup je vais monter en passager avec Joa, donc Joachim, qui est le mec à lunettes là-bas, je sais pas si vous le voyez. Donc du coup je vais être passager et on va filmer cette deuxième journée. Donc là il est 8h du matin, on redémarre les machines, on fait chauffer, on va au briefing et puis c'est parti pour retourner dans la merde. Les amis, je vous coupe deux minutes pour vous parler un petit peu du sponsor de la vidéo, Car Vertical. Je pense que vous connaissez tous maintenant Car Vertical. C'est un site hyper pratique qui vous permet de pouvoir faire un rapport de votre véhicule afin de ne pas vous faire arnaquer lors d'un achat. Ça permet aussi de pouvoir faire une vérification sur un véhicule qu'on a déjà où on aurait potentiellement des suspicions. Je rappelle immédiatement que vous avez 20% avec le code GLB. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Donc en l'occurrence, moi c'est un site que j'utilise quand j'achète des véhicules et que je vous conseille d'utiliser si vous achetez des véhicules. Ça vous permettra de ne pas vous faire arnaquer soit en termes d'accidentologie, soit en termes de kilométrage. Je vous mets tout de suite un exemple d'une Citroën C4 qui a vu son compteur kilométrique abaisser, donc clairement une fraude au kilométrage, mais aussi un véhicule qui a été accidenté deux fois. Alors on a des photos, on voit qu'il y a un accident qui est relativement faible en termes de prix, on est à 1 500 €, donc on voit qu'il n'y a quand même pas grand chose dessus. A l'inverse, on a un deuxième accident qui lui est chiffré à environ 10 000 €. 10 000 € en carrosserie, ça commence à faire un petit budget. Ça veut dire que c'est déjà plus un impact, un petit accident. On est déjà dans l'accidentologie, on est déjà dans un véhicule qui a été relativement bien abîmé. Et donc personnellement, quand on achète un véhicule comme ça, deux possibilités. Soit on ne l'aurait pas acheté en connaissance de cause parce qu'on aurait dit non, moi je ne prends pas le risque, le véhicule a été accidenté, je n'en veux pas, la valeur du véhicule n'est plus la même. Ou alors, on va dire, ok, il a pu être accidenté, mais moi, je veux contrôler qu'il a été correctement réparé, que ce n'est pas dangereux de l'utiliser en l'état. Donc, ça vous permet, en fait, de pouvoir mieux appréhender votre achat et de ne pas pouvoir vous faire arnaquer par un vendeur qui, bien évidemment, ne vous tiendrait pas informé du passif du véhicule. Donc, les amis, Car Vertical, ça sert à ça. C'est hyper important, c'est hyper pratique. Vous avez 20% avec le code GLB. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et nous, on continue tout de suite cette petite vidéo. Bon, vous êtes chaud, les gars? J'ai enlevé la cale sur l'accélérateur, c'est bon. Allez. Go. Les amis, on a eu un petit accident, rien de grave. Petite culbute pour Chloé en quad. Ça aurait pu être pire. Ça repart. Expulsé, mais ça va, elle est repartie.
un petit peu de douleur au poignet, mais bon, ça c'est normal. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Et on les collectionne hein, ce week-end. Ouais, ça fait partie du jeu, et puis c'est les super soutiens qui vont rester. C'est ça. Voilà, c'est comme le treuil dans la rivière, c'est donc pour les jouer, c'est tout ça qui vont passer des bons moments. Allez. Celle-là, mon Joël, elle est dans la boîte. Et bah, je crois que je vais aller filmer, moi. Allez, allez, 200 balles qui rentrent. Allez, stop. Tu t'en tires là-bas, stop, on va te tirer. Par contre, tu te vois, c'était 1000 balles. Hein. C'était 1000 balles là ce week-end. Hein. Ça va, Chloé? Oui, ça va. Accélère, vite. Ton père, il va changer le buggy l'année prochaine. Hein. T'as filmé? Ouais. Non, on l'a loupé. Et après, on est venu direct. Ce que je dis à Joa, l'année prochaine, il faudra qu'on mette une GoPro dans chaque buggy. Quoi. Ah oui, là-bas, c'est bien. Bon, bah voilà. Hey, Joa, tu changes le buggy l'année prochaine. Ouais, je voyais pas ça comme ça. Là. À 1200 balles le treuillage, ça commence à devenir rentable. Hey, il en a loupé des choses, le lot. Bloque le différentiel. Flo, bloque le différentiel. Joa, il aura jamais utilisé autant son treuil. Bon bah voilà, c'est ça nos plans galères du week-end. On paye pour aller se faire chier dans la merde, c'est quand même beau ça hein. Oh, c'est gras quand même. Il faut prendre l'attelage. T'es un malade toi. Ah merde. Ah c'est ça quand on conduit des varios. Ah faut que tu accélères. Ouais, plus hard rythme, plus de batterie là. C'est la semaine. Eh, hey, Chloé, elle s'est fait éjecter. Ah, Chloé, elle s'est fait éjecter. Eh, toi, oh, putain. Ça va, vous? Ça va? Ça va, toi, Sandrine? Oui, ça va. Et ils ont mangé un arbre, apparemment.
l'avait dit hier. Chut, on l'avait dit. On l'avait dit pour en parler. On a la malédiction de la Shkoumoun depuis qu'on est arrivé. On a parlé des mauvais souvenirs et on a tous une couille, mais tous. Ah, dans le Bourbier. Parce que t'as, ah, t'es reparti où là? T'es garé où? Ah, plus haut. C'est le petit quai là, je crois que j'ai claqué. Celui-là, là, où il y a la banderole, je suis parti. Le petit ou la banderole à l'air? Ouais, le tout petit, ouais, de rien. Putain, et ça a fait du dégât. Ça m'a bloqué. Hein? C'est celui-là ou celui-là? Et on était dans ça. Il s'est mangé dans l'intérieur de la roue. Ah bah non, c'est par là. Ah bah non, c'est par là. Tu l'as pris à l'intérieur de la roue? Ouais, bah ouais, j'ai pilé, mais trop tard. Bah merde. Je le retrouve pas, ce putain d'arbre. On a pris cette route. Bon, c'est pas grave. Bon. Ouais, je vais reprendre, puisque c'est le même passage. Ah, mais si c'est plus long, c'est con. Toi, je vais retrouver mon chauffeur. Ah bah non, du coup, il est parti, le chauffeur. On serait passé là, on serait passé à l'aise. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Ah, je crois que ce week-end on a tous la Shkoumoun. Dans le coup je vais rouler un peu plus tranquille parce que là si je retape. Je crois qu'il a une roue. Allez, 1200 balles encore. Ça va commencer à être rentable pour Joe alors. Mais c'est où qu'on a loupé la route pour aller dans le soft? Là-bas derrière en fait. C'est pas ça le soft. C'est là qu'on s'est fait baiser nous. T'as tout le monde se bagarre pour empocher 1002, hein. T'as vu ça un peu? Tout le monde sort son treuil. Ça dégaine de tous les côtés là. Voilà, à peine sorti de la merde, de nouveau dans la merde. On marche avant. Nous sommes actuellement sur le parcours hard avec une légère erreur d'aiguillage. Lolo, en fait le soft il est juste là. Et là il y a le hard. Mais sinon, on recoupe par là. Hein. Et on reprend le soft. Hein. Non, mais je pense que là, on est au bout. Hein. Ça, c'est la partie technique aussi. Hein. Je pense qu'on est au bout. T'es quand même bien tanké, hein. Il y avait pas de point et midi hier, je crois. Mais normalement, hein, t'étais pas parti pour le point et midi de pas passer là. Attends. Mais quand j'ai vu arriver comme une bête, j'ai dit, il y va. Faites gaffe au treuil quand même qui claque pas. Ouais. Sinon, on en met un deuxième. Allez, 1200 balles encore. Ils ont essayé d'y échapper, mais t'as vu, la roulie, elle a pété, c'est bien. La roulie de l'autre côté, elle a pété. Allô, taxi.
son canal ou passe pas sur le câble. Vous voulez pas passer parce qu'il y a le câble. Sur accident parce que tout le monde est pressé. Voilà, c'est un week-end détente. Et ils ont roulé sur le treuil. Ça s'est enroulé sur le sur la roue de la moto. Et bon, encore une fois, ça aurait pu être plus grave. La route, c'est toi qui as mis les mains pour arrêter le câble. Là, là. C'est qui a mis les mains pour essayer d'arrêter le câble? Ah, t'es malade, hein. Elle aurait pu te sectionner une main, mon gars. La moto, elle s'arrête pas. Elle te coupe la main, c'est plié. Ouais, non, mais là, retenir le câble, j'ai vu ça, j'ai fait oh putain, les doigts ils vont y passer. Ouais, c'est peut-être le carbu qui pisse, non? Ouais, mais c'est les durées de carbu, c'est rien, c'est parce que. Ouais, ils sont fermés, ils sont fermés. T'as coupé l'essence? Parce que ça pisse. Non, mais c'est un truc automatique, c'est parce que c'est le carbu qui pisse. C'est la cuve? Ouais. Ça va, rien de grave? T'as pas fait mal? Moi j'ai vraiment eu peur à tes doigts, mon gars. Ah non, mais j'étais en train de le tirer quand il a recroché dessus, justement. Oh là là. Il a tiré pour pas qu'il parte avec. Eh, non, vois, ça se serait enroulé autour, ouais, mon gars. Ça, la main, c'était fini. Le câble. Le câble dans ta couronne. Par contre, on t'a pas dit, c'est 1002. Il n'y a pas eu de cop. C'est le tarif unique de Joa. Faites gaffe, hein. Écartez-vous du cap si ça pète. Ça fait élastique. Joa, on roule. Ah Lolo, regarde le nouveau modèle de jante. C'est des jantes pleines. Finalement, il est rien arrivé à Joa ce week-end. Moi, j'attends juste le verdict de Dr Joa. Allez, on va voir. Où, en écartement de roue. Wow. C'est grand, hein? Ouais, c'est grand, là. Bon, on va aller voir la case sur le buggy de Lolo, maintenant. Mais là, à un moment, faut que ça tombe sur Joa. Tu regardes par rapport à celle-là, c'est celle-là qui a tapé. Ouais, ça va encore. Attends, bouge pas, il est pas totalement droit. Ah, mais là. Là, t'es droit. Ouais. T'as tapé la gauche? Ouais. Ouais, t'as tordu un peu. Ah, bah ouais. Ouais, t'es au même stade que moi. Si tu veux, on peut se cotiser, acheter une billette pour deux. Mais ça se redresse, hein, juste une géo. Elle est pas tordue, là. Bah, si tu veux, je te propose une géométrie bière. C'est un nouveau concept qu'on va faire. C'est tous les premiers lundis après le Kenny. Ouais, comme moi, il a te plié un peu là. La rotule. Là t'es aligné. Ah, on a mis le bon endroit.
Ouais, comme les jeunes y suivaient, j'ai augmenté un peu le rythme pour dire bah, qu'ils se fassent pas chier non plus derrière. Quoi. Et un truc comme ça que j'ai tapé. Je l'ai même pas vu, j'étais tellement focalisé sur les trous que je regardais les trous et je suis parti dedans direct. Non, c'est glissant quand tu prends une ornière. Ça fait partie du jeu, hein, ça dégoûte. Ouais. Bon, après, Lolo, il n'y a pas un petit réglage. Ouais, c'est pareil. Juste un réglage. Mais après, il y a moyen que si vraiment, Joe, à toi, tu fasses une galette dans la fin du week-end, tu peux peut-être avoir un tarif de groupe à partir de 3. Ouais, je vous ferai ça. 2%. Oh putain, 2% de 1500 euros. Le mec, il va me prendre 4000 balles de treuil dans le week-end et il nous fait chier pour 2 balles, quoi. Bon, et ben on devrait repartir jusqu'à. Le prochain péripétie. Ça va, mais quand il y a des ornières et tout, c'est ce
bientôt, chef. Péter la roue là. Allez, la crémaillère, creux. Bon bah hey, on est quand même tous en panne dans le même week-end. Ouais mais t'en as une autre. Oh là là. Allez Pierre. Ok ouais, bon bah là clairement un gros coup. Là clairement, allez, tu penses qu'elle est pas totalement tordue? Allez, on peut peut-être arriver à la redescendre. Allez à l'équerre. Bah ouais. Tu veux que je retire légèrement le frein? Ah oui là, la biellette elle est... Elle est morte. J'ai senti la putain de bosse là-haut. Non, là, une putain de souche en montant là-haut. T'as dû la fragiliser, là, t'as croqué, ça l'a fini. Bon, là, effectivement, on a un léger problème, je vois. On va regarder si on trouve pas un bateau pour la retordre. Attends, si on pète l'arbre. Ah ouais, peut-être avec ça, attends. Faut essayer de la remettre un peu droit, parce que là, ça freine. Attends. Vas-y. Essaye de prendre plutôt elle. Attends, faut tourner la roue en même temps, si on peut. Ou c'est raide. Bon, on a redressé un petit peu. Ils vont nous attendre là-bas, Flo. La biellette. On va éviter, enfin pour essayer de rouler. Donc là, on va essayer de rentrer au stand. Bonjour. C'est la merde. Bah, l'édition 2023, il y aura du souvenir. Je connais bien le problème. Les trucs d'origine, c'est de la chipole. Ce que je fais, moi. Des pièces sur mesure et je renfile mes trucs d'origine dans des trous. Tu les renforces? Ouais, je les renforce. Que, en vrai, ça a tapé, mais c'est moins violent qu'hier en arrière. Ouais, 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 non, c'est pas. C'est pour ça que. Et je pense qu'elle s'était un peu écartée. Je pense qu'elle s'était un peu écartée quand t'as retapé en haut là. Voilà. Vu qu'elle avait déjà amorcé l'ouverture. Ouais. Parallélisme.
10 minutes, c'est reparti, moi je te le dis. Allez, c'est comme un stand de... c'est comme à la Formule 1. Allez, le groupe. Vous l'appelez tous ? C'est de la gigoter plutôt de haut en bas. Elle se roule la poche. Bon. Et heureusement que tu nous l'as pas vendu hier, ta violette. Ah, on va arrêter de la rechercher tout à l'heure. Hier, proportionnellement, nous ça a tapé fort et là, en fait, ça a tapé. Ouais, comme tu prends une souche. Ça a tapé quoi. Sec, mais pas, ouais, c'est plus, ça, mais pas un garçon. Bah, si tu vois dessus. Bah, elles sont rouges, vu qu'elles sont toutes déjà. Ouais, t'as trop. Ah non, moi, je vois, il a regard tourné. Ouais. C'est surtout Joa, il a l'habitude maintenant. Les billets de direction, il te l'a fait. C'est comme les policiers avec leurs armes. En fait, ils vendent les yeux, ils te la démontent, ils te la remontent, tout pareil. Tu fais un petit trait avec un tournevis et tu comptes le nombre de tours que tu fais jusqu'à l'autre côté, tu divises par deux. Bon les amis, ça y est, le week-end se termine. Donc là on a tout rechargé, retour au bercail. C'était bien sympa, il y a eu pas mal de casse, mais bon, ça fera des souvenirs. Ouais, bah les amis, ça y est, ça se termine pour ce petit week-end de folie au Kenny Offroad. Alors déjà, un grand merci à l'organisation. C'est un événement qui est super bien organisé. Alors il y avait beaucoup de monde samedi, on a eu vraiment un petit peu de mal à rouler. Mais bon, voilà, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Mais en tout cas, c'est un superbe événement et ça, on peut pas le nier. Et surtout, quand on fait des organisations, nous aujourd'hui, on fait des organisations sur les rassemblements automobiles. On sait ce que représente l'organisation derrière un tel événement. Et franchement, juste pour ça, bravo. Entre la sécurité, les soins, le dépannage, voilà, franchement, c'est un boulot monstre. Donc bravo à eux. Et surtout, on a pu voir l'efficacité du service de secours qui est ultra rapide. Donc non, franchement, top du top. Week-end de folie avec les copains, c'était génial. Maintenant, on va passer au nettoyage de la bête. Ouh, je commence à pleurer de bois, moi. Ça, c'est le froid. Donc là, maintenant, demain soir, gros nettoyage. Et puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo mécanique pour réparer tout ça. Donc, refaire le train avant et puis s'occuper de la batterie et voir s'il n'y a pas de problème électrique. Les amis, merci à tous d'avoir regardé ces nouvelles péripéties au Kenny Offroad. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi, mets la petite cloche et tu recevras les prochaines vidéos méca ou conneries buggy week-end avec les copains. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.